Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite session de pilotage en moto ce coup-ci, voilà. Donc on a ressorti un vieux modèle des années 90, une Honda VFR 400R, voilà, qui est en réalité une Honda NC30 Super Sport 1/5e, qui a été distribuée dans les années 90 donc par Aviomodelli France. Voilà. Donc c'est une moto en 1/5e électrique qui est à assembler en kit au départ. Voilà, donc c'est une moto qui n'a pas de direction. Voilà, donc c'est une direction qui est libre et qui est donc articulée, pardon, qui est pilotée par un système de balancier. Vous voyez ici le balancier, donc vous avez votre batterie qui est à l'intérieur et quand elle penche à gauche, la moto tourne à gauche, quand elle penche à droite, la moto tourne à droite. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme en vraie moto, quand vous vous penchez, ça tourne. Voilà, donc on se retrouve pour une petite vidéo de pilotage avec un ami qui était avec une Anderson en 1/5e aussi. Voilà, donc qui est assez sympathique, qui est beaucoup plus évolué que ce modèle-ci, hein. Il y a 25 ans d'écart de technologie. Voilà, donc cette moto, la Honda VFR 400, c'est assez rigolo à piloter, c'est pas forcément très très stable, ça va pas très vite, c'est un jouet d'époque quoi, donc il y a quand même pas mal d'écart avec maintenant. Cependant c'est vraiment amusant, on s'éclate bien, surtout quand il y a quelqu'un d'autre qui roule avec vous en moto aussi. Voilà, la petite différence qu'on a avec la Anderson, c'est que dans la roue arrière, il y a un disque en métal qui continue à tourner quand la moto ralentit et qui vous permet une inertie et une stabilité avec l'effet gyroscopique. Voilà. Donc votre moto, la Anderson, peut rouler très lentement comparé à celle-ci qui, dès qu'elle ralentit, penche. Vous allez voir sur la vidéo, l'autre est beaucoup plus stable, celle-ci est beaucoup plus zigzagante. Voilà. Par contre, c'était vraiment sympathique de ressortir ça. Après toutes ces années, voilà. Donc on vous laisse tout de suite avec le visionnage de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi, Ospeed et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et bon visionnage.